Helpen en solidariteit, dit zijn de belangrijkste woorden voor Ben Abderhaman, eigenaar van het Mozart Hotel in centrum Brussel. Hij helpt ook verschillende VZW's om vluchtelingen te kunnen helpen tijdens de coronacrisis. Hij legt ons dus uit hoe het hier gaat. Ben, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on est? Vous êtes vraiment au centre-ville, vous êtes à la porte de l'hôtel Mozart, qui est depuis 25 ans que je suis à cet hôtel. J'ai toujours apporté mon soutien à ceux qui ont le besoin, les nécessiteux, et les associations, les hôpitaux, le parc Maximilien et tout. Ben, ça veut dire que je suis vraiment heureux d'apporter vraiment ce que les autres vraiment ont besoin. Et pour moi, c'est la joie. Et c'est là que je trouve mon bien-être. Voilà. On sait que depuis quelque temps, vous accueillez des réfugiés ou des sans-papiers. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe un peu dans votre hôtel? Ben voilà, ça fait 4 mois qu'on est fermé. La vérité, que je dors derrière ma réception parce que j'accueille encore des SDF, des sans-abri et certaines associations. Par exemple, hier, il y a l'hôpital Brugmann qui a envoyé quelqu'un qui a un problème de cœur. Ben, il est là, ben, il est heureux. Et j'apporte mon soutien, ça veut dire quand l'hôtel est vide, il faut apporter, vous savez, le soutien aux autres aussi. Hein. Il faut ouvrir les portes, comme la Belgique m'a ouvert les portes, et moi j'ouvre les portes. C'est la solidarité, c'est très important ça. Juste une question, vous comptez encore garder ces gens combien de temps? Eh bien le temps qu'il faut, vous savez que quelquefois ils restent. Il y en a qui sont restés 3 mois, ils restent même un an. Il y en a aussi, ils ont resté deux familles, ils sont restés 2 ans il y a quelques temps. Mais voilà, j'ai 46 chambres, ça veut dire que... Il faut aider le monde est fini, vous savez, c'est plus comme avant, vous comprenez, on doit apprendre aux gens la solidarité. Et moi, quand je fais du bien aux autres, c'est très salutaire pour moi et je me sens très bien, voilà. Juste savoir aussi, est-ce que financièrement, vous arrivez encore à vous en sortir en accueillant ces gens-là? C'est une question aussi qu'on peut se poser. D'abord, financièrement, c'est le cœur, très important. C'est-à-dire, les chambres sont vides, vous savez, 3 mois, rien qui rentre, vous comprenez. 4 mois, pardon. Il n'y a rien qui rentre. Mais le soir, vers 11h moins quart, je vais par exemple au Carrefour, pas loin, et me donne tout ce qui reste, du pain, du croissant et tout. Ben, je les emmène chaque jour. Et puis, une partie, je garde ici. Une partie, je l'emmène à la Riotte. Il y a aussi des nécessiteux là. Et une partie à Saint-Josse, là, un grand bâtiment des Africains aussi. Et une partie chez ma sœur à Evers, qui donne aussi à ceux qui ont le besoin. Ça veut dire, avec peu, tu peux faire beaucoup. C'est tout. Hein. Il faut seulement la présence et être vraiment disponible aux gens. C'est-à-dire. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Le plaisir, on dit toujours que le bien ne se monnaie pas. Ensemble, on peut réussir pour nos enfants. Moi, je pense beaucoup à nos enfants. Merci à vous.